Tunisie, la contestation se poursuit malgré la répression et les promesses du président Ben Ali. Les affrontements ont été particulièrement violents et meurtriers à Kasserine, la principale ville du centre du pays. Une ville où la tension est extrême, vous allez le voir. Regardez le reportage exceptionnel de nos envoyés spéciaux Olivier Santiki, Bernard Guirny et Thierry Valta. C'est nouveau à Kasserine, le pillage. Après 4 jours de protestations et de ce que tout le monde ici qualifie d'ultra-violence policière, tout manque dans cette ville de l'ouest du pays. Nourriture, électricité, boissons. Alors chacun se débrouille comme il peut. Il y a beaucoup de familles qui ont du mal à manger depuis un mois. Elles sont encerclées, sans électricité ni eau courante. La nourriture ne parvient pas ici. Et même si elle arrive, c'est beaucoup trop cher. Mais si les mouvements de foule succèdent aux vols, uniquement vols de produits alimentaires, d'après ce que nous avons vu, le doute subsiste sur l'origine des troubles. Pour certains, ils seraient initiés par des milices du pouvoir, afin de décrédibiliser les manifestants. Un pouvoir qui nous a enfin permis d'entrer dans la ville, mais qui refuse depuis 3 jours de nous ouvrir l'hôpital, en proie hier encore au chaos. Ces dernières 48 heures, une 50aine de tués par balle y auraient été recensés, avant l'épuisement des stocks de produits médicaux. Les gens sont allongés dans les couloirs. Les chambres sont pleines. Je remercie les médecins, mais ils sont complètement débordés. Ce soir, la ville est au bord d'une nouvelle explosion de fureur, brandissant du pain, en référence aux grandes émeutes de la fin de 1984. Et la population ne pardonne pas, ni la police qu'elle accuse de provocation systématique et de meurtre, ni le président Ben Ali dont elle demande désormais le départ.